aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver sur la chaîne principale. Ça fait une vie qu'on ne s'est pas vu ici. Et je commence ma journée à 6h du matin par un verre d'eau. Ouh, c'est froid. Je vais prendre un shot de gingembre. Ouh, ça va piquer. Gingembre et citron. Je sais pas ça, si je vais kiffer ou pas. C'est vraiment atroce ces petits shots là. Non, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ok, cul sec. Et tu sais qu'il met en deux fois parce que sinon j'y arrive pas. Ah ça va, franchement lui il est vraiment pas si pire celui-ci. Je l'ai pris en magasin bio, il est pas trop mal. Ça fait un mois et demi que je me dis à la rentrée, je me lève à 5h45, 6h. Je peux plus me lever à 5h, je suis vraiment trop fatiguée. Lily elle a un âge où je peux pas me lever à 5h45. J'ai pas plus d'explications franchement, les parents vous connaissez. Mais je voulais absolument me lever à 6h max, donc j'ai un quart d'heure de basement. Bon après si je suis épuisée ou qu'on est le week-end, je fais ce que je veux quand même. Ça me permet de me lever une heure avant le lever du soleil et 1h10 avant qu'Iliana se réveille, puisqu'on va la réveiller à 7h10 pour aller à l'école. Voilà, c'est une morning routine de rentrée. Pour moi, retour au boulot, même si j'ai repris déjà il y a un moment, je m'en fous, je me suis arrêtée que 2 jours. C'est la première rentrée scolaire de Lily. Mon bébé rentre à l'école, je peux pas y croire. Voilà. Quand j'ai noté tout ce que je voulais faire dans ma morning routine, ma night routine il y a un mois et demi, vraiment j'aime trop la rentrée, c'est terrible. J'ai noté étirement ou yoga ou sport tous les jours. J'ai sport ce soir donc je vais pas faire une séance de sport ce matin. Mais des étirements j'en fais vraiment tous les jours maintenant parce que sinon je suis fracassée vraiment. La vieillesse m'a attrapée. Le matin, Tanguy et Lily, leur rituel c'est de prendre le bibi ensemble, donc ils le préparent ensemble, ils le prennent ensemble et moi pendant ce temps-là, je pourrais genre préparer ses fringues, etc. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je me balade toujours avec ça le matin quand j'ai le temps. Si je me lève à 6h, j'ai le temps. Si je me lève à 7h, bah c'est mort. C'est pour ça que vraiment je me lève à 6h. Je touche pas à mon téléphone parce que ça peut vite te créer un peu d'anxiété, de te comparer et tout. De te lever au dernier moment, ça te met dans un stress pour la journée, donc franchement c'est hyper agréable si vous commencez pas trop tôt. C'est vrai que moi j'ai quand même l'opportunité de le faire, me lever plutôt que tout le monde, franchement c'est trop bien. Et aussi après mon café je bois toujours autant d'eau que de café, sinon migraine plus assurée. Super confortable, j'ai commencé à vous amener dans le dressing puis après j'avais tellement honte que j'ai arrêté de filmer parce que vraiment ça craignait. Mais j'ai mis genre vraiment basique parce que j'ai plein de trucs à faire, des stories et tout, et franchement j'ai envie d'être confortable. C'est des stories chill, voyez-vous. Donc un petit t-shirt basique noir et un jogging que j'aime trop même s'il est un peu rétréci. Là je vais faire ma skincare comme ça pendant que ma skincare pose. On dirait vraiment un octopack ou un cadeau de Noël là, je sais pas trop. Je vais pouvoir faire mes mails et tout ça. Et après je me maquillerai beaucoup plus tard. En ce moment j'utilise celui-ci de The Ordinary. C'est en fait un nettoyant doux qui peut faire aussi démaquillant et qui s'utilise sur peau sèche. C'est l'heure.
l'heure de se faire un petit déj. J'ai trop faim. Mais le truc, c'est que... Bon, par contre, je suis pas du tout dans les temps par rapport à ce que je devrais être ou je devrais en être. Dans le timing, là il serait genre 8h45. Allez, 9h. On va dire que là normalement il serait 9h, il est 11h-10. Je vais continuer, même si ça dure jusqu'à 14h, en mode ma morning routine habituelle, parce qu'en fait ça me prend deux fois plus de temps de filmer. Donc si j'arrêtais maintenant à 11h, vous auriez rien vu de ce que je fais d'habitude. Enfin, ce que... enfin voilà, vous avez compris ou pas? Je pense que oui, on a compris. Enfin, ça prend du temps de filmer quoi. Du coup, smoothie. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un smoothie. Je vais faire épinards, ananas, mangue. Et j'ai toujours des bananes congelées. Parce que bah sinon, comme par hasard, quand je vais me faire des smoothies, j'ai jamais de bananes. Là, ce que je vais faire, c'est que le temps de mon smoothie, je vais faire un peu tous mes mails urgents et tout auxquels je veux répondre. Bon, là, même si je réponds tardivement, normalement, genre à 9h30, j'aime répondre avant que les agences commencent. En règle générale, il y a beaucoup d'agences qui commencent vers 10h. Vous l'avez pas vu, il y a Doudou qui vient de passer. Après, comme ça, je peux aller faire mes contenus, les stories que je dois faire pour les marques, vous voyez, les collabs que j'ai envie d'envoyer le plus tôt possible. Et voilà, à peu près ce que je vais faire. Donc là, je vais vraiment faire les mails urgents. J'ai acheté un nouvel agenda, mais je pense que je vais passer au 100% digital. Je vous expliquerai pourquoi une autre fois. J'ai acheté celui-ci. Moi, vraiment, c'est mes agendas préférés quand on voit vraiment la semaine entière. En général, j'aime bien qu'on voit la semaine sur deux pages pour avoir plein de choses à écrire. Mais là, j'ai trouvé que celui-ci, mais qui est quand même vraiment très bien. C'est parti. J'ai une liste de choses urgentes que je dois régler. Des collabs où je dois placer des dates, ce genre de choses. Les bureaux que tu peux monter et descendre comme tu as envie, c'est génial. Souvent, je bosse debout, sur le tapis aussi. Le tapis de marche. C'est pas un tapis de course, c'est un tapis de marche. Tu peux pas courir avec, ça va pas assez vite, mais c'est vraiment trop bien. Moi qui ai très mal au dos, je peux adapter selon mes besoins et mes envies, donc c'est trop cool. Je réponds à mes WhatsApp aussi. Mes WhatsApp en retard. J'ai fait ce que j'avais de plus urgent. Franchement, je suis quand même un peu... C'est vraiment la rentrée pour tout le monde aujourd'hui, donc je suis un peu débordée quand même. J'ai beaucoup de collabs et tout à faire. Je vais me maquiller. Hier, on est rentré de Bretagne. On a un projet perso en Bretagne. J'ai tellement, tellement hâte de vous le dire. Ça sort aujourd'hui. Ah non, ça sort dimanche. Vous voyez cette vidéo mercredi. Oh là là, je vous spoil pour rien là. Mais ouais, ça sort dimanche à 17h30. J'ai trop hâte de vous dire ça. J'ai donc ma trousse à make-up ici que j'ai pas encore vidée. Et c'est justement un peu ce que j'utilise tous les jours. Donc bah ça tombe bien. Le seul truc que j'ai enlevé, c'est ça, vous savez, pour le Beauty Blender. En ce moment, j'utilise celle-ci de RMS Beauty. C'est une bonne base hydratante, je l'aime bien. Et pendant que ça pénètre, je vais faire mes sourcils. C'est vraiment un make-up super, super rapide pour tous les jours. Si j'ai envie d'un peu me maquiller, je me maquille pas tous les jours, hein, vraiment, genre ça dépend. Je trouve pas mon truc pour les sourcils, je suis inquiète là. Ah, c'est celui-ci, non. En ce moment tout tombe de mes mains, c'est terrible. C'est celui de Patrick Ta, je sais pas trop comment on dit le nom de cette marque. C'est vraiment une bonne marque. Par contre ça sèche en 2 secondes, vous voyez, ça m'a fait un fil. Ça vient vraiment fixer les sourcils. Mais quand je vous dis fixer les sourcils, c'est fou. Et sinon j'utilise toujours, donc là il est en version mini dans ma trousse, celui-ci de chez Benefit. J'ai reçu ceux de Rare Beauty d'ailleurs, faudrait que je le teste. Je suis en période de pousse des sourcils en ce moment parce que faut que je retourne. J'hésite à faire le micro shading ou juste refaire un brow lift, mais du coup pour les deux je laisse pousser. Du coup ils sont pas du tout similaires. Lui pousse beaucoup plus que celui-ci, c'est trop dommage. De toute façon moi je suis zéro symétrique hein. Sur l'ensemble de mon corps, c'est fou. Voilà, on va dire que c'est bon, franchement on s'en fiche un peu. En fond de teint j'utilise celui-ci de Summer Friday, franchement j'adore cette marque. C'est vraiment, c'est même pas un fond de teint, ça doit être un voile de teint ou éclat et transparence, crème légère. Vraiment ce que j'aime en ce moment. Maintenant je vais mettre mon bronzer. Franchement chaque fois que je vous parle d'un bronzer, c'est celui-ci. C'est le meilleur en crème que j'ai testé, avec le Charlotte Tilbury comme ça. Vous savez, en pot là, mais en pot plat, il est incroyable. Je sais pas où il est, j'ai pas perdu. Il est incroyable aussi, c'est mes deux préfs. Tous mes pinceaux sont sales. J'ai pas mes pinceaux préférés, je suis un peu deck. Même si celui-là de Sephora il est génial. Pour tous les produits crème, franchement il est assez incroyable. Mais mes préférés de chez préférés sont vraiment crades. En blush,
la plus jolie couleur, vraiment, celle que j'aime le plus en ce moment, c'est celle-ci de Charlotte Tilbury, c'est le Peach Pop. Il est tellement beau, je l'aime vraiment beaucoup. Pour la période, avec ma couleur de cheveux, enfin vraiment, il est magnifique. Ici sur le haut des pommettes, sur le nez et sur le menton. Et maintenant, anti-cerne, j'en ai découvert un nouveau qui est mes pépites. C'est celui-ci de chez Too Faced, Bondi's Way. Mais je le connaissais pas celui-ci. C'est celui qui est plutôt light, je crois. Correcteur lissant effet lumière. Il est vraiment génial. Il est un peu plus sec que les anti-cernes que j'ai l'habitude d'utiliser. Et en fait, il marque pas du tout les ridules en dessous des yeux. Une fois qu'il est posé, je le poudre et ensuite il bouge plus. Vraiment, mon anti-cerne préféré de tous les temps. Et ensuite, je poudre. Franchement, je vous la présente plus. Je vous la montre depuis des années. C'est la poudre pour le contour des yeux de Laura Mercier. Avec une mini houppette Huda Beauty. Et pour le visage par contre, c'est une nouvelle que j'ai achetée à New York et que j'utilise tout le temps depuis. C'est celle de chez Tatcha. Elle est tellement jolie. Je pense que si vous avez la peau très grasse, c'est mort. Moi j'ai une peau plutôt normale, donc franchement ça va. Et je trouve le rendu sur la peau très beau. Enfin, moi le teint très léger que je fais comme ça en ce moment, c'est vraiment mon teint du moment. Donc voilà, j'en mets bien partout, dans tous les poils du pinceau. J'en prélève un peu ici. Normalement le but c'est qu'il n'y ait pas tout ça, mais moi je l'emporte partout avec moi. Et vous êtes censé vraiment tourner le pinceau à l'intérieur. Tout rentre à l'intérieur du pinceau. Et ça vous poudre le visage, mais en mode... incroyable. Ça fait vraiment un joli teint. Pas du tout avec de la surmatière et tout. J'ai 33 balais. Moi, j'ai envie d'un teint léger. J'ai pas encore 33 ans. Bientôt. Je vais mettre une brume fixatrice. Alors, c'est pas ma préférée, la Rare Beauty. C'est vraiment la Fenty. Celle-ci, je l'ai en petit format. Donc, celle que j'emmène avec moi. Elle est vraiment géniale. Elle est... je crois que je vous en ai déjà parlé aussi. Elle vient fixer le maquillage. Mais vraiment, elle a une brume assez diffuse. Pas... vous avez compris ou pas? Ça fait vraiment... et pas... ça t'attaque le visage. Elle sent bon, j'ai l'impression de m'appliquer un soin sur le visage. Franchement, pour les lèvres, ça change un peu tous les jours, mais je vais quand même vous montrer mes prefs de chez Pref. J'utilise soit l'huile à lèvres en teinte rose poudrée de Typologie, qui est franchement très belle, soit le lifter gloss dans la teinte Peach Ring de Maybelline, qui est aussi incroyable. Ça, c'est vraiment en mode des lèvres un peu légèrement hydratées et tout. L'huile à lèvres, c'est l'huile? Ouais, c'est ça, l'huile soin pour les lèvres Fenty. Elle a une texture pas que huile, elle est assez... incroyable, je dois dire. Ou alors, mes dernières acquisitions, les Hourglass. Comment est-ce qu'ils s'appellent? C'est pas marqué là. Mais vous savez, c'est ces produits-ci. Là. Ils sont magnifiques. C'est vraiment une espèce d'huile gloss qui vient faire briller les lèvres. Mais ça fait comme une protection sur les lèvres. Enfin, vraiment, ils sont très beaux. J'en ai un soit très nude, soit très rouge. Ou alors, si jamais j'ai vraiment envie de mettre une encre à lèvres, ce qui se fait de plus en plus rare. Mais j'avoue, en ce moment, je reviens un peu vers le rouge. C'est le Boss, je crois. Ouais, c'est ça. De Kylie, qui est un rouge vraiment magnifique. Donc... aujourd'hui, je vais mettre Fenty. C'est une huile à lèvres, mais super épaisse. Par contre, celle-ci est vraiment transparente. Voilà, maintenant, highlighter. J'ai cassé encore une fois, pour la deuxième fois, je crois, l'highlighter de Rare Beauty. Je l'ai recommandé parce qu'il est revenu en stock. Je ne fais que les casser. Je ne sais pas si le problème vient de moi, mais franchement, je les trouve vraiment difficiles à ouvrir et assez fragiles. Je vais mettre le Dior dans la teinte Nude Glow. Ils sont super jolis. Regardez comme ils sont beaux. Je respire super fort. Si un jour vous entendez quelqu'un respirer super fort à côté de vous, franchement c'est possible que ce soit moi. Depuis que je me suis fait opérer du nez, c'est terrible comme je respire mal. Si c'était à refaire, franchement je le referais pas juste pour ça. Plus de 30 ans, ton confort passe avant tout, vraiment. Si jamais je sors et qu'il fait soleil, quand même pas grand soleil, j'utiliserai le Makeup Setting Sunscreen Spray. C'est quoi la marque? Oula, je crois que ça se dit. En fait c'est un spray comme ça à mettre par-dessus le make-up. Donc franchement c'est super pratique. Mais comme normalement je sors pas et qu'il fait pas beau, j'ai pas mis de crème solaire, mais sinon vraiment crème solaire tous les jours si je sors même juste dehors dans le jardin. Et en palette pour les yeux, mais moi aussi je vais faire un tout petit truc sur les yeux, enfin vraiment rien de fou. Je me suis acheté celle-ci de Natasha Denona qui est mais... elle est incroyable. Elle est dans les tons froids et franchement, je la trouve magnifique. Donc vraiment, rapidement, je viens prendre la teinte prise que je vais mettre dans le creux de paupière. Je regrette juste qu'il n'y ait pas un beige très clair dans la palette. Il manque que ça pour que ce soit ma palette parfaite. Avec un pinceau biseauté, je prends la teinte la plus foncée, donc le brun le plus foncé, Lash Line, et je vais faire comme un mini trait de liner. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas enlevé la protection. Je vais prendre ça. Oh, il est aimanté, mais alors attention, l'aimant, il fonctionne de ouf. Franchement, en 2 secondes, c'est fait.
Maintenant, mascara, celui que j'ai emporté avec moi, c'est le Roller Lash de Benefit. Et je dois dire qu'il est vraiment... Bon, il est tout petit, évidemment, vous avez compris, c'est un format voyage. Mais sinon, mes préférés de grande surface, hein, mes préférés de chez préférés, c'est vraiment les Maybelline et notamment le The Rocket Volume Express en waterproof. Il est... Mais... Ah, trop canon. Voilà! C'est super simple et efficace, je fais ça tous les matins de ma vie de tous les jours, genre vous voyez si j'ai pas le temps vraiment de me maquiller, en un quart d'heure c'est réglé. J'ai juste l'air un peu morte des lèvres là, non? Je vous ai abandonné il y a un petit moment juste parce que je sais pas, ma caméra elle avait surchauffé donc je n'ai pas pu, j'ai pas pu finir ce que je vous disais. En fait j'avais laissé le fond de teint sous l'huile Fenty, du coup j'avais l'air d'avoir des lèvres qui étaient en train d'y passer. J'ai commencé à faire tout ce que j'avais à faire pour une collab sur Insta, enfin c'était une collab et sur la chaîne de vlog sur YouTube et sur mon Instagram pour du semi-permanent et franchement je le fais tout le temps sur les ongles des pieds maintenant, j'aime trop. Donc voilà, je viens de refaire, là j'ai juste laissé deux petits ongles, je vais aller manger parce que il est 13h20 et je meurs de faim, je suis à fond depuis 6h du mat, donc je pense qu'à un moment donné il faut faire une pause, mais normalement j'aurais terminé ça avant d'aller manger, c'est à dire que j'aurais fait aussi toute la partie collab et tout ça, donc voilà, je vais quand même aller faire une pause. Prenez en compte que ça me prend 2 heures de plus parce que je filme en fait. Je suis installée ici, il me reste les deux petits ongles là, là j'ai mes produits, ma poubelle, le dissolvant parce que bah pour les refaire j'ai dû enlever les précédents, ma petite lampe, et voilà je vais avec mes petits yep manger. À midi, c'est un de mes plats préf, les gars. Bolo végé avec du riz. Moi, je préfère vraiment avec du riz qu'avec des pâtes. Mes compléments alimentaires. Et voilà. J'ai fini. C'est le pire cadrage qu'on ait jamais fait, là. Je pense que ça doit être zoomé de ouf, je sais pas. J'ai plus qu'à ranger. J'ai déjà fait le montage et envoyé pour validation. Et il faut que j'ai fini cette vidéo dans 5 minutes. J'ai un peu galéré aujourd'hui, je vous l'accorde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que moi j'ai trop aimé la faire. J'ai enlevé mon soutif, oh, c'est une libération d'enlever son soutif. Ça va, moi j'en mets. Je fais que les enlever dans la voiture et tout, donc j'ai fini par arrêter d'en mettre à nouveau comme avant. Voilà, c'est des périodes de ma vie, avec ou sans soutif. Nos bras ou pas nos bras, dites-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire, à mettre un like ou à me le faire savoir pour que je puisse faire la version night routine. Et voilà, à bientôt. Ciao.